Сейчас мы поговорим об упражнении, которое у нас называется бабочка. Donc, on vous présente exercice qui s'appelle papillon. Суть его в том, подвести ученика к силовым атакам. Le but de cet exercice, c'est apprendre un débutant de porter une attaque forte. Это еще не техника атак, это привычка к траектории и к вложению. C'est pas encore de vraies attaques, c'est juste on forme une habitude de trajectoire et de position. Итак, начинаем мы обычно его с ножа. On commence ça d'habitude, c'est plus facile, ça commence à faire ça avec un couteau. Потому что эта техника практически ничем не отличается на трех наших основных оружиях. Parce que cette technique, il n'y a pas beaucoup de différence sur notre trois armes. Ça veut dire un couteau, un bâton ou un coup-bâton ou yavara. Yes. So. Bon, on prend la position, position classique. On fait sur le quatre comptes. Voilà, on soulève les mains juste un tout petit peu plus haut de niveau votre épaule. Voilà, on positionne notre main de attaquer sur cette trajectoire. Voilà, dans la théorie, cette trajectoire, il doit croiser silhouette un homme. Voilà. Voilà, maintenant, Constantin il va tourner les hanches et il va tirer sa main sur cette trajectoire. Voilà, Anne, hop, attends, regie, je sniму. Ça c'est étape numéro 2. Ça c'est étape numéro 3. Il soulève les mains, il tourne les poignets. Et il tourne sur les pieds, il tourne vers la direction de son attaque. Dans cette façon, il va porter deux coupes très fort. Voilà, c'est pas important sur le disons sur trajectoire de votre arme, ce sera de la main, de je sais pas, de cuir, etc. Mais dans tous les cas, avec coupage fort, le couteau qui va transpercer tout. Voilà, la même façon si on change couteau pour un bâton. Voilà, c'est que par différence des couteaux, ça change la première étape, les mains non armées qui on sort devant. Je prends votre attention pour position des jambes, voilà, position des pieds. Étape numéro 2. Hop, ça c'est étape numéro 2. Ok, encore votre attention sur position des pieds. Voilà, étape numéro 4. Моя задача точно так же атаковать по двум основным траекториям. Сверху вниз и сверху вниз. Voilà, la raison c'est attaquer sur deux trajectoires en manière très très forte. Если у меня в руке окажется явара или кубатан. Si on prend dans les mains кубатан ou явара. Будет ровно точно так же. C'est la même façon. On sort les mains non armées. Voilà. Voilà, c'est...